prophet. Wow. Mais avant cela, je voudrais faire quelques cadeaux pour l'air aux Sénégalais. Ni nga xamni ñoom ñoy jité suñu réew lu mu leen jaral pour yak suñu askan war nañu ko jaral ñun pour défar suñu askan président de la république ak ay députés suñu paréwul pour voter une loi pour criminaliser l'homosexualité ci ñu abal ci ni ko abal ci Sénégal ñu ñoo ko moom ñu Sénégalais à regrouper les Sénégalais. C'est parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu et sur la parole de l'envoyé de Dieu. Et nous voulons rappeler que dans le Coran, au niveau de la sourate numéro 24, verset numéro 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux. Ici-bas comme dans l'au-delà, Allah sait que vous ne savez pas. Abu Huraya, un sahaba qui est connu dans la religion musulmane, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que voici quatre personnes qui chaque jour, matin et soir, provoquent la colère de Dieu. On lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ces quatre personnes? Et il a dit, un, les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Deux, les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Trois, ceux qui font l'amour avec les animaux. Quatre, les hommes qui font l'amour avec les autres. Nous voulons dire quelques papiers. D'abord, nous vous remercions d'avoir répondu si massivement à notre appel. Comme vous le savez déjà, nous nous sommes réunis ici aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lancer un message clair aux autorités politiques de notre pays. S'il vous plaît, messieurs et madames du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Vous semblez oublier qu'ici, au Sénégal, nous sommes un peuple de croyants, façonnés depuis des siècles par l'esprit religieux, qu'il soit de tradition musulmane ou chrétienne. Un pays attaché aux valeurs et aux vertus enseignées et défendues par tous les prophètes d'Adam à Mohammed, le sceau des envoyés en passant par Ibrahim, Moussa et Isa Mariam, que le salut d'Allah soit sur eux. Des valeurs et nobles vertus, que sont des hommes pétris de spiritualité et d'humanisme qui ont tout fait pour ce pays, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. Pour les préserver au bénéfice du peuple, je veux citer sans ordre de préférence. Le Bénin Cheikh Omar Sall, l'imam Oulaï, Cheikh Seydi Haj Malik, Mohamed Bamba Maké, Abdoulaye Nass et tant d'autres. À tête des premiers et descendants des seconds, nous n'entendons pas laisser périr leur héritage. En laissant passer ce qui est plus qu'une forfaiture, le déroulement d'un agenda on ne peut plus satanique. Adeptes des premiers et descendants des seconds, nous n'entendons pas laisser périr cet héritage. Chers concitoyens au pouvoir, vous semblez oublier
que vous y êtes grâce à notre suffrage. Que vous êtes nos mandataires. Et c'est donc exclusivement à nous que vous devez fidélité et à nous, à aucune manière, que vous devez fidélité à d'autres organisations comme nous. En vertu de ce statut, vous ne pouvez nous engager dans des politiques ou programmes qui sont totalement en porte-à-faux avec nos croyances, avec nos réalités socioculturelles et nos convictions religieuses. Et c'est pour bien de cela qu'il s'agit dans votre volonté de concrétiser votre vision nature, de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2020 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination. Dans notre entendement, l'ONU devait être, comme aimait à le dire un de nos compatriotes, un lieu de rendez-vous du donner et du recevoir. Un instrument de promotion d'une civilisation de l'universel, respectueux de la diversité des pays qui la composent et soucieux de l'enrichissement mutuel pouvant découler de cette diversité. Au lieu de cela, elle a souvent fonctionné comme une machine au service de certains pays, hors de leur puissance économique, diplomatique, politique et militaire pour imposer leur desiderata. Au strict plan socioculturel, l'uniformisation est sans conteste un approfondissement et quand elle charrie contre valeur et pratique défense animale, elle devient agression et volonté d'avilissement. Pour nous, l'homosexualité, la confusion des genres et toutes les variantes subsumées dans le vocable LGBTQ sont des abominations qu'il est exclu d'acclimater dans notre pays de Sénégal. Nous n'accepterons pas la propagation des LGBT au Sénégal parce que le Sénégal est un peuple de croyants. Nous avons jusqu'ici subi la mort dans l'âme, la promotion de pratiques aux antipodes de nos convictions religieuses, la prostitution, les jeux de hasard, etc. Mais avec la question de l'homosexualité, notre réserve de patience est complètement épuisée contre la volonté de la légalité. Nous allons opposer celle de la criminalité. Nous sommes conscients des enjeux de la question, du caractère stratégique qu'elle revêt pour ses tenants, de l'opiniâtreté de ces derniers cas. Il s'agit de réaliser les programmes concoctés dans les loges et les états majors du mondialisme ambiant le nouvel ordre mondial. Mais nous saurons faire face, nous les Sénégalais. Nous avons la détermination possible et soutenable et souhaitable pour investir tous les fronts de lutte culturelle, politique, économique, sociale et religieuse. Nous avons pour cela la force sociale et politique qu'il faut, puisque c'est quasiment l'ensemble du peuple sénégalais qui refuse toute perspective de légaliser l'homosexualité. Sauf en effet le nombre, la qualité et le statut des signataires de la pétition. Nous rappelons que tous les califs généraux du Sénégal ont signé la pétition.